dépend de la vision qu'il porte. You depend on the vision that you bear. Moi, j'ai une vision large de Dieu. I have a large vision of God. Nous étions à Asuba, pour we were in Asuba au début des recollections d'Asuba. At the beginning, when we started, on était 3000, 4000 simplement. 3000, mais 4000. On avait fait une procession. And we had a procession. À 14h, on avait une procession. At 2 p.m. Et les gens étaient très fatigués. And people were very, very il faisait tired. Très chaud. It was very hot. Il y a cela plus de 12 ans, il faisait très très chaud. 12 years back or so, it was very et les hot. Gens commençaient à tomber dans les 5 ans. And people started to ce n'était pas down. L'action de l'esprit, mais c'était la it fatigue. Wasn't the Holy Spirit. It was just les médecins étaient fatigue. Débordés totalement. They were completely overwhelmed. Alors le Saint-Esprit m'a poussé à parler. So, the Holy Spirit pushed me to talk. Je n'ai pas cherché à tenter Dieu. I didn't try to tempt my God. Mais l'Esprit de Dieu m'a poussé à parler. But the Spirit of God pushed me to speak. J'ai dit à tous ceux qui étaient là. I told everybody who was there. Élie a prié, le ciel s'est fermé. Elijah prayed and the Élie a prié, closed. La pluie est venue. He prayed and the rain came. Parce que l'onction qui était sur Élie et Élisée. Because the anointing of Elijah and Elisha. C'était des hommes, des prophètes. They were prophets. Qui n'étaient pas limités, qui n'avaient pas de limites. They had no limitation. Dieu a mis en eux un esprit large. God put in them a great spirit. Ce soir, il faut que Dieu mette en toi un esprit large. Tonight, God needs to put in you je a leur ai very dit, nous allons prier. Let's pray. Et je vais dire à Dieu and I will tell God de faire venir son nuage. To bring a shadow, vous savez que a quand cloud. Vous parlez sous le couvert du Saint-Esprit, when you talk through the Holy Spirit, vous parlez dans un zèle. You really have a great zeal. Même si humainement de temps en temps l'intelligence te dit mais tu vas trop loin. Even if your intelligence tells you that l'intelligence voulait me ramener à mes limites. My intelligence wanted to bring me back to mais my c'était limitations. Dieu qui m'avait poussé à parler. But God pushed me to speak. Combien de personnes commencent quelque chose? How many people start à something? La première difficulté and first difficulty, ils commencent à se plaindre. They start to complain. Rappelez-vous que dans le désert. Remember in the desert. Toutes les fois où Israël se plaignait. Every time Israel was complaining. Dieu punissait Israël. God was punishing Israel. Quand vous marchez avec Dieu. When you walk with God. Vous devez chanter ses cantiques. You need to sing his glory. Oui, parce que nous devons louer. Because we need to worship him. Nous devons élever des cantiques. We need to de louange. We need to praise him. Pour celui qui nous a appelés des ténèbres à son for admirable him lumière. Who brought us from darkness to light. Alors je leur ai dit. So I told them. Ce n'est pas une démonstration. It's not the demonstration. Mais mon Dieu à moi, il est fidèle. But my God is faithful. Frères et sœurs, imaginez-vous 4000 personnes. Imagine 4000 people. Aujourd'hui, à Asuba, c'est 10 000 personnes, mais c'est 4000 personnes Asuba qui étaient is 10,000, là. But at that il n'y avait time, pas cette construction qu'il y avait aujourd'hui. It wasn't like this et donc, today. On pouvait voir la direction vers la rivière. So we could see the river. Un nuage a cloud est venu depuis la rivière. Came from the river. Et a fait un cercle. And then covered us autour de nous. Around us, et quand around tu regardes un peu plus loin, il y avait le soleil. And there was a sun in the oh, les gens pleuraient. A bit far away. People were ils acclamaient notre Dieu. Crying, seeing the je glory te of demande God. D'être sans limite en I'm Dieu. Asking you to be without Jésus limits. A dit, vous ferez ce que j'ai fait. Jesus said, you will do what I did. Mais vous ferez des choses plus grandes. And you will do even greater et je veux que ce soir, so tonight, tu déplaces les bornes. I want you to move the bounds. Tu vis jusque-là à partir des bornes anciennes. You live through alors ancient tu es tellement boundaries. Limité. You are so limited. Quand tu te lèves le matin, when you wake up in the morning, tu regardes autour de toi, you look around you, tu dis comment je vais faire? And you ask yourself, what am I going voici to ma do? Vie, c'est cool comme ça lentement. This is my life. Comment je vais faire? What am I going to oh do? Mon frère, brethren, oh ma soeur, brethren, déplace les bornes. Move the boundaries. Déplace les bornes. Move them. Parce que ce que l'Esprit Saint fait, because what the Holy Spirit does, il nous donne ce qu'on appelle la filiation divine. It gives us a divine filiation. Vous voyez, quand Jésus partait, when Jesus was going, quand il retournait vers son Père, when he was going back to his father, il dit, comme le Père m'a envoyé, he said, just like father, moi aussi je vous envoie. I myself sent you as le well. Père a envoyé le Fils. The Father dans l'onction du Saint-Esprit. Alors Jésus dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez la puissance du Saint-Esprit. Alors vous serez mes témoins. Then you will be my test, et my... tu témoins de Jésus-Christ. Then you will testify for Jésus me. A dit, vous ferez ce que je vais faire. Jesus said, you will do what I did. Vous ferez ce que j'ai fait, mais vous you ferez des choses plus grandes. And you will do even greater things. Ce soir, tonight,
Je veux que tu entres dans une nouvelle dimension. I want you to enter in a new dimension. Ta relation avec Dieu. In your relationship with God. Écoute-moi bien. Listen to me well. Mon Dieu est bon. My God is good. Mon Dieu est bon. My God is good. Jusque là. And until then. Tu vis selon tes limites. You're living according to your limits. Selon tes bornes, alors tu dis. With boundaries. Est-ce que je peux faire ça? So you are asking yourself, can I do this or that? La Bible dit même quand on est faible que Dieu manifeste en nous sa puissance. Bible says that when we are weak, that God manifests glory. Et donc tu n'as plus d'arguments ce soir. So tonight you don't have anything to say. Tu dois déplacer les bornes. You need to move your bounds. Et ta condition présente qui te fait souffrir. And what you are living today that is making you suffer. C'est un passage vers quelque chose de grand. It's just a passage. C'est un passage vers quelque chose que tu ignores aujourd'hui. It's a crossroad for to something you don't know today. Le Saint-Esprit fera quelque chose. The Holy Spirit will do something. Notre Père et notre Roi. Our God, Father and King. Dans le nom de ton oint Jésus-Christ in de Nazareth. In the name of your anointed Jesus Christ of Nazareth. Fais descendre ton Saint-Esprit. Send your Holy Spirit. Que ton Saint-Esprit élargisse notre esprit. May your Holy Spirit enlarge our spirit. Que l'Esprit Saint se joigne à notre esprit. May the Holy Spirit join our spirit. Pour nous dire que nous sommes fils de Dieu. To tell us that we are son and et que nous devons avoir la mentalité de notre Père. That you need to have the mentality of our Father. Notre Père qui appelle à l'existence et qui n'existe pas. Our Father who brings to existence what does et not qui exist. Ramène la mort à la vie. That brings death to life. Père si grand, si puissant. Father, powerful and great. Je crois. I believe que ce soir, that tonight, tu feras des miracles dans notre vie. You do miracles in our lives. En élargissant notre esprit. By widening our spirit. Et que le principe de l'élargissement s'appliquera pour nous ce soir. Will be for us tonight. Amen.